Eh bien, bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Eh, le ministre Adjumani souffre. Il souffre dans la main des Ivoiriens. Sur Facebook, là-bas, c'est gâté. Actuellement, là, le buzz sur Facebook, là, c'est que le ministre Adjumani est fâché avec le président français Emmanuel Macron. Vous savez pourquoi? Si vous voulez savoir, restez jusqu'à la fin. Les génies vous parlent. Eh bien, tout simplement, comme je l'ai annoncé plus tôt, là, le ministre Adjumani fait le buzz sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe? Comme vous avez pu le constater ou bien voir, le journal Jeune Afrique a sorti un post comme quoi ils ont eu écho, n'est-ce pas, du déjeuner entre Emmanuel Macron, le président français, et Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien. Donc, en ce moment-là, ce qui se passe, les gens disent, oh, et vu que Adjumani se fâche avec tout le monde là, et après avoir sorti sa vidéo contre le cardinal Courtois, maintenant là, il s'en prend au président Emmanuel Macron. Donc les gens ont sorti un post et ce post là disait ceci. Nous avons certes un profond respect pour le président Emmanuel Macron, mais je trouve maladroit de sa part qu'il laisse fuiter dans Jeune Afrique des éléments de ses échanges confidentiels avec le président Alassane Ouattara. C'est une attitude peu diplomatique qui n'honore pas la grandeur de la France. En outre, il doit respecter la souveraineté des institutions de la Côte d'Ivoire. Nous tenons à lui dire que le Conseil constitutionnel de notre pays n'est pas à l'Élysée. Fin de citation. Donc moi, quand j'ai vu les gens qui partageaient, je me suis dit, Adjumani qui est là, là, si c'est lui qui a fait ce poste-là, on saura si c'est vrai, parce que lui, il ne cache pas ses mots. C'est un monsieur, il est brave. Donc, s'il a fait ce poste-là, il va poster ça sur sa page. Donc, je vais sur sa page Facebook. Qu'est-ce que je découvre? Fake news. Fake news, les amis. Eh bien, le ministre Adjumani dit que ce n'est même pas lui-même qui a fait le poste-là. Et que les gens doivent le croire. Ce n'est pas lui. Il dit que ce n'est même pas lui-même. Donc, les amis, c'est fake news, oh, c'est fake news. C'est ce que je tenais à vous dire. Donc, le ministre Adjumani, cette fois-ci-là, n'a pas fait palabre. Il n'a pas fait palabre avec le président Emmanuel Macron. Donc, c'était ce que je tenais à préciser. Oh, pour une fois, le ministre Adjumani n'a pas fait palabre. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Eh, le pauvre! Yako, monsieur Adjumani! Yako! Et avant que je n'oublie, si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à partager massivement avec tes proches pour ne pas rater mes vidéos. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.